Et salut à tous ses amis, c'est Radpo Toto et aujourd'hui on se retrouve sur Drumpad Machine et il y a un nouveau qui vient de sortir, c'est Vertex. Vertex. On va commencer tout de suite. Et donc, je m'échauffe les doigts. Je me suis bien entraînée et donc je n'ai pas fait le tutoriel parce qu'en fait maintenant j'en ai même plus besoin. Et go. D'ailleurs, on va faire un petit échauffement qui n'a pas beaucoup de rythme mais qui chauffe bien les doigts. En fait, je vous avoue que c'est plus pour se la péter. En fait, vu comme ça, ça a l'air pas génial, mais la raté, c'est quand même bien, bien rapide. Enfin, c'est pas pour faire genre gauche, trop fort et tout, mais non, vraiment, c'est quand même rapide. Ok. C'est un peu perdu. En fait, avec ce rythme, tu fais une erreur, tu es totalement perdu parce que si tu cliques deux fois, bah, en fait, il faut se dire que ça a vraiment un ordre. Je vais vous le montrer. Tac, tac, tac. En fait, en gros, c'est vers la droite. 1, 2, 3. En fait, quand je fais comme ça, j'ai un peu difficile. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 3, 2, 1. Donc en gros, c'est 1, 2, 3. Puis tu joues un peu avec le 1 et le 2. 1, 2, 1. Attends. Du coup, là, enfin, voilà, tu as fait vers la droite. Et puis tu as joué avec les deux premiers. Après, tu reviens en arrière. Tac, tac, tac. Donc là, on voit qu'on passe de ça à ça directement vers la fin. Et puis, on revient en arrière. Et donc, comme ça, je vous ai montré. Maintenant, je vais faire vraiment la vraie musique. Est-ce que je recommence le côté A? Ouais, voilà. Comme ça, je vous le montre vraiment. Ah, je me suis un peu perdue.
Alors donc à des moments ça faisait un peu bizarre parce qu'on dirait qu'il manquait une note. Et ben c'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup de bugs sur le jeu. Enfin c'est pas pour faire genre ouais il y a des bugs et tout, non. Vraiment il y a des bugs, des fois je fais comme ça et ça fait pas le ting. Enfin en plus c'est un saut qui s'entend quand même bien donc. Enfin en plus ça fait quand même le. Enfin ça s'allume quand même donc ça compte vraiment le clic mais c'est juste que le son sort pas. Et donc si vous avez ce problème-là, relancez l'application tout simplement. Mais bon, j'ai eu de la chance, je ne l'ai pas trop eu, même il y en avait quand même. Et donc, je vais vous expliquer un petit truc. Alors donc, vous devez faire une, deux. Donc, regardez. Tac. Tac. Donc là, regarde. Attends. Par contre, là. En fait, je sais le faire, mais dans le sens, j'ai difficile à expliquer parce que moi-même, je sais même pas comment je le fais. C'est bizarre, hein? Donc, tac. Et puis, enfin, en fait, dès que tu cliques ici, tu fais aussi celui-là. Puis tu fais tac, après tac. Et puis là, c'est de nouveau ces deux-ci. Et après, ben, la troisième fois où tu cliques ici. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, 9. Ah, ben non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parce que celui-là il compte pas. Parce que ça, c'est si jamais on veut recommencer un autre. Donc il y en a 8. Et on clique. Attends. 1, 2, 3. Donc on clique 3 fois sur celui-là. Et les deux premières fois, c'est ces deux-ci. Du coup, 1, 2, 3. Là, enfin, attends, du coup, c'est ces deux-ci, tac, tac, ces deux-ci, et après, attends, j'ai un peu difficile, tac, 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 deux, et puis, ben en fait, dès qu'on a fait les deux ici, c'est là, et puis ces deux-ci. En fait, c'est un peu difficile à expliquer, et je suppose que c'est aussi difficile à comprendre. Surtout que, bah, enfin, comme j'ai difficile à expliquer, bah, vous serez difficile à comprendre, logique. Mais en tout cas, ça donne ça. Tac, 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 tac. Et du coup, là, j'ai cliqué ici, mais sauf qu'il n'y a pas eu ici. Et c'est normal. Donc, tac, deux. La troisième fois qu'on clique ici, on ne fait pas. Et puis ici. En fait, le moment où on en passe, hein, parce qu'en fait, c'est comme ça. Tac, tac, tac. Tac, et puis là on en passe un, donc on passe de là à là. Ben là il faut faire les deux. En fait dans la tête je fais un peu un plus grand mouvement. Enfin c'est un peu bizarre mais. Enfin mon bras il part un peu dans tous les sens quand j'en passe un. Et c'est bien parce que finalement. Ben comme ça je sais quand je dois le faire. Et finalement en fait je fais un plus grand mouvement avec ma main et je. En fait ça donne du rythme aussi à ce que ça attend un petit peu plus. Oui, ça donne ça, mais quand on le fait qu'une seule fois, ça donne pas bien. Donc, conseil si vous voulez vous arrêter, mais essayez d'arrêter un autre moment. Par exemple, comme ça. Ou alors, vous pouvez essayer de faire de cliquer sur par exemple celui-là ou le celui-là ou un truc comme ça. Et sinon, donc c'est toujours tac, tac, et puis ici, tac, tac, et puis là. Et des fois, je fais deux fois celui-là ou deux fois celui-là, mais ça, il faut pas faire attention à l'ordre de ces deux-ci. Vous pouvez faire un peu comme quand vous voulez, mais c'est mieux de les alterner à chaque fois. Donc 1, 2, 1, 1, 2, 1. Et puis, on peut faire pareil avec celui-là. 1, 2, 1. Non. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Et par contre, ici, je n'ai pas trop trouvé comment les gérer. Donc, je peux aussi faire un truc qu'on appelle un drop. Enfin, je ne sais pas trop si on peut le compter comme un drop, mais bon, c'est pas trop grave. Enfin, dites-moi, enfin, si vous connaissez un petit peu, dites-moi si vous trouvez qu'on peut le compter comme un drop. Enfin, attendez, je vais vous montrer. Compter comme un drop. Enfin, allez, on va dire que oui. Et sinon, ici, c'est totalement différent. D'ailleurs, j'en ai jamais vu un comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est.
En fait, dans ma tête, je l'imagine comme ça. Ici, il y a un rectangle. Ici, un rectangle aussi. Et ben là, je ne sais pas trop comment l'imaginer. Est-ce que je le vois un peu comme ça? Et celui-là, enfin, les rouges, c'est comme ça. Enfin, celui-là, il est très très bizarre, le côté B. Et donc, je pense que j'ai assez expliqué, d'ailleurs, même un peu trop, parce qu'on est quand même à 11 minutes. Et donc, voilà, à très bientôt. Ah oui, aussi, attendez, attendez. Et donc, je sais pas trop, je bégaye. Abonnez-vous à Rianer Gamer en majuscule, et ça s'écrit comme ça. Rianer avec un E Gamer. D'ailleurs, je le mettrai dans la description. Et aussi Lama Soria. Ah, d'ailleurs, j'ai créé leurs deux chaînes. Du coup, j'ai créé deux chaînes YouTube en un jour. Ah, d'ailleurs, j'ai fait le rituel satanique. Mais en fait, c'est chouette parce que ça. Ils ont compris qu'on est un peu. Enfin, qu'on est un groupe de YouTubeurs. Parce que c'est bizarre. Parce que quand je recherche Lama Soria, ça met ses vidéos, les miennes et celles de Rianer Gamer. Donc voilà, abonnez-vous à ces deux chaînes. D'ailleurs, je vais vérifier si je les ai bien mis dans la description. Et donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les amis!